Il y a longtemps, très longtemps, vivait une grande poétesse. Cette princesse de la poésie s'appelait Dacine. Quand elle jouait de l'inzette, sa muse lui disait « Préfère à toute autre voix, préfère avec moi la paix de l'inzette. » Le violon qui sait chanter. Il ne soit pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. As-tu toi-même plus d'un cœur pour aimer ? Cet instrument faisait perdre la tête à tous les habitants de la région. En fait, il était leur âme, leur espace. L'imzad, qui rappelle le violon, est composé d'une demi-sphère de calebasse recouverte d'une peau de chameau percée de deux trous. Au-dessus de cette peau est tendue une corde unique faite de crins de cheval. L'archet est quant à lui constitué d'une autre corde de crin fixée sur une baguette en bois recourbée. Aujourd'hui, dans la gare, le tassili des Hadjer, l'aïr ou l'adrar des Ifouras, au milieu des massifs majestueux, résonne parfois le son envoûtant de l'imzad qui accompagne des poèmes chantés. Mais seules quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintient en vie. Si nous ne les aidons pas, une partie de notre patrimoine culturel disparaîtra. C'est pour empêcher cela qu'une association vient d'être créée, dénommée Sovi l'Imzad. Son siège se retrouve à Taman Rasset. Elle a pour objectif de faire connaître la culture de l'Imzad, de la sauvegarder et de la développer. Ainsi, cet instrument, ami de la poésie, sera préservé pour les générations futures.